je vais ouvrir un soda. Oups, c'est toujours imprévisible ce genre de choses. Mais si on pouvait tout recommencer? Ah, c'est mieux maintenant. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps avec la personne qu'on aime. Tu peux manger quelque chose de savoureux tout en t'amusant. Mais parfois, les blagues vont un peu trop loin. Oups, la glace est tombée par terre. T'es content? Oh non, tout ça c'est de ma faute. C'est vraiment la loose. Si seulement j'avais une seconde chance. Attends, c'est quoi cette boîte? On dirait que l'univers a entendu mon souhait. Des montres? Regarde, il y en a une pour chacun de nous. Quelle belle surprise! On va régler l'heure. Waouh, il se passe quoi? La montre est magique! Si tu recules les aiguilles, la glace est de nouveau entre tes mains. Waouh, c'est incroyable! Pinky adore se faire remarquer. Waouh, Pinky, t'es superbe! Hé, les gars! Pourquoi vous êtes si silencieux? Les garçons sont ébahis par sa beauté. Oh non! Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas faire deux fois une première impression? Stop! Rembobinage! Je vais revenir dans le passé. Hé, les gars! Oh, j'aimerais pouvoir vivre ce moment pour toujours. Mais ce moment va encore être gâché. Oups, je suis tellement maladroite. Je vais encore revenir dans le temps. Marche prudemment, surveille tes mains. Les gars tombent comme des dominos. Et Pinky tombe avec eux. Kevin, qu'est-ce qui va pas chez moi aujourd'hui? Continuez de rire, je suis quand même une princesse. Vous êtes juste jaloux parce que je suis trop bien pour vous. C'était une journée super ensoleillée. Tout se passait bien. Quand soudain, la catastrophe. Hé, Blondie, t'as de la monnaie? Et un téléphone? Et des bijoux? Même un boxeur expérimenté n'est pas forcément prêt à se faire attaquer par surprise. Et Kevin n'a vraiment pas d'expérience du tout. Ça fait mal! Mais heureusement, il a une montre magique au poignet. Et maintenant, l'attaque n'est plus si inattendue. Il prévoit tous les coups. Oh non, pas cette fois! Eh ouais, 3 mecs contre 1, c'est pas juste. Va donc falloir que tu t'armes correctement. Une chaîne en métal? Une batte peut-être? Allez, venez un à la fois! Et pourquoi pas des armes? Quoi, vous avez peur? Oh non, Kevin! Pourquoi t'es parti en courant dans l'autre sens? Pinky adore se maquiller. Passer une soirée devant le miroir avec un pinceau à la main et tester de nouveaux cosmétiques, y a rien de mieux. Mais parfois, elle a des petits soucis. Son geste maladroit envoie sa palette préférée par terre. Et son cœur s'arrête tout à coup. Oh non, quel cauchemar! Faut arrêter la planète de tourner? J'ai peur d'aller voir le résultat. Elle est cassée? Mais bien sûr! Il n'y a plus que de la poussière maintenant. Inutile de pleurer sur ce gâchis. Il suffit d'utiliser ta montre. Pinky va être très prudente. Et non, l'univers, ce sera pas pour aujourd'hui. Ce genre de truc arrive à tout le monde. Tu te balades dans la rue, et tout à coup, un petit oiseau te dit « Bonjour » du ciel. « Berk, dégueu, ça atterrit sur ma nouvelle chemise. » Oh non ! Montre, remonte le temps. Boum ! Ok, cette fois-ci, je l'ai évité.
Désolée, gamin, mais les pigeons peuvent être parfois vraiment imprévisibles. On dirait que cet oiseau a décidé de laisser une tache sur la chemise de Kevin à n'importe quel prix. Sa petite promenade s'est transformée en une course pour sa survie. Et au moment où Kevin va abandonner, le méchant pigeon fait le sale boulot qu'il avait prévu pour lui. Et ouais, parfois, le destin, on peut pas y échapper. Même avec une montre magique. Tout le monde adore le fast-food, non? Trop bon, je veux tout manger! Évidemment, c'est pas très bon pour la santé. Mais c'est vraiment délicieux. Trop bon! Dommage que ça se termine si vite. Peut-être qu'on devrait remettre ça? Pourquoi pas? On va remonter le temps. Et voilà, la commande est là! Bonne nouvelle! Ce petit tour peut être répété autant de fois que tu veux. Si seulement on pouvait manger comme ça pour toujours sans avoir de cholestérol. Y a rien de mieux que de lire un bon livre par une nuit froide. Surtout si tu prends une tasse de thé chaud avec. Rien ne pourrait gâcher ce bon moment. Enfin, sauf une lumière qui clignote. Un problème de courant? C'est vraiment le pire moment possible! Kevin essaie de réparer ça, mais il est clairement pas électricien. Et l'électricité, c'est quelque chose de délicat. C'est bon! Attraper le mauvais fil, c'était pas très malin. Ouais, je sais, je sais. C'est difficile de remonter le temps quand on a les doigts qui tremblent. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Et le souci recommence. Mais maintenant, Kevin ne refera plus cette erreur. Il va juste éteindre la lampe. Oh, pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite? Un rencard dans un resto. Des plats délicieux, une conversation sympa. Cette ambiance est super détendue. Ce qui est juste parfait pour un pickpocket. Waouh, belle prise! C'est l'heure de payer l'addition. Attends, où est mon portefeuille? Je suis sûre de l'avoir apporté avec moi. Je vais faire quoi? Je veux pas faire la vaisselle ici. Remonte le temps. Merci, montre magique. Mon portefeuille est là de nouveau. Mais quand est-ce qu'il a bien pu disparaître? Ah ah! Je t'ai pris la main dans le sac. Ça te servira de leçon. Merci pour le repas. Salut! Et l'addition sera payée par le pickpocket. Un sol mouillé? Qui fait même attention à ces panneaux? Voici la première victime. Kevin ne fait jamais attention à rien. Mais grâce à sa nouvelle montre, il peut essayer de se rattraper. Oups, sa deuxième chance n'a rien changé. Le sol est trop glissant. Tomber et retomber encore? Mais combien de fois ça va arriver? On a lavé ce sol avec de l'huile ou quoi? Je vais finir par me casser les jambes à ce rythme-là. Mais il va pouvoir s'en sortir, en se tenant à l'étagère. Ah, j'ai enfin réussi! Parler au téléphone, ça peut être distrayant. Ouais, j'arrive, je serai bientôt là. Oups! Waouh! Ma jupe est coincée dans la porte. Rends-la-moi tout de suite! Pourquoi ça m'arrive à moi? Sa belle tenue en a payé le prix fort. Remonte le temps.
Peut-être que cette fois, Pinky sera plus attentive. Ou peut-être qu'elle portera simplement une jupe plus courte. Dans ta face, le destin! Tu as aimé notre histoire de montre magique? Est-ce que toi, tu aimerais pouvoir remonter le temps? Dis-nous tout dans tes commentaires! Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche! Ne manque pas les nouveaux sketchs sur le temps sur Troom Troom Wow!